Je pense que vous avez quelques questions, des demandes de clarification ou des apports à émettre. Maintenant, vous êtes libre de parler. Bon, sur la question de l'OMPI, alors non, effectivement, les lois de Bolivie n'ont aucun effet au niveau international. C'est bien le problème. Et effectivement, à l'OMPI, il y a une négociation en ce moment pour essayer de faire reconnaître les droits, ces lois-là, hein, de propriété intellectuelle collective des pays du Sud par les pays du Nord, qui dure depuis plusieurs années déjà et puis qui est un petit peu bloqué et qui, pour l'instant, je vois pas exactement un aboutissement là-dessus. Et puis effectivement, c'est tout le sens de la position de la Bolivie à l'OMC, c'est-à-dire que l'accord de l'OMC sur les droits de propriété intellectuelle permet le dépôt de brevets sur le vivant au niveau international. Donc après, on a beau avoir une loi en Bolivie ou au Chili qui l'interdit, et cette loi n'a aucune valeur en Suisse, en France ou aux États-Unis. Après, sur la CBD, effectivement, il y a aussi le protocole de Nagoya qui a été signé. Et puis, parce que la Convention sur la diversité biologique avait ce principe d'appeler au partage des bénéfices, mais il n'y avait pas un mécanisme pour implémenter ça. Donc là, il y a eu le protocole de Nagoya qui a été signé. Le problème de la CBD, c'est que déjà, les États-Unis ne sont pas signataires. Donc ça élimine déjà quand même une bonne part du problème. Et puis ensuite, effectivement, les mécanismes d'application sont assez faibles. C'est-à-dire qu'il y a peu de mécanismes de sanction si la convention n'est pas respectée. Après, il y a un troisième problème qui est lié à la remarque sur le fait que les ressources sont partagées entre pays. C'est-à-dire qu'effectivement, les ressources sont souvent partagées effectivement, entre pays, entre plusieurs peuples. Et puis, qu'est-ce qui se passe alors si en Bolivie, on s'oppose au fait que l'ayahuasca soit brevetée, mais qu'au Pérou, les peuples indigènes du Pérou ont signé un contrat avec une entreprise qui autorise le dépôt de brevets. Donc la Convention de la diversité biologique, elle permet ça, parce que la Convention de la diversité biologique prévoit que ces choses-là seraient contractuellement entre deux pays ou deux institutions. Donc on pourra tout à fait avoir le Pérou ou la Colombie qui vendent des ressources que partage aussi la Bolivie, sans que la Bolivie ait son mot à dire là-dessus. Ensuite, effectivement, toujours sur cette histoire de plantes partagées entre plusieurs pays, c'est effectivement un des gros problèmes, mais c'est même que les plantes et tous ces savoirs, ils sont partagés entre plusieurs peuples, plusieurs communautés, ils circulent depuis des centaines d'années. C'est extrêmement difficile de dire tout d'un coup qui est... Où a originé un savoir particulier. C'est extrêmement difficile de dire ce savoir a été créé par telle communauté dans tel endroit en telle année et donc c'est la propriétaire de ce savoir. C'est souvent impossible. Alors cette idée de propriété intellectuelle collective qui est mise en avant par pas mal de pays du Sud, elle a ce problème-là que d'accord, mais qui? Propriété intellectuelle collective? Quel collectif? Comment identifier déjà quels savoirs sont soumis à ce régime-là? Parce qu'il y a énormément de savoirs traditionnels qui sont maintenant largement diffusés dans la société, dans les centres urbains, utilisés au-delà des frontières, diffusés sur Internet. Et puis ensuite, qui a le contrôle sur ce savoir? Qui a le pouvoir de décider quelles sont les conditions d'utilisation? Ça peut créer énormément de conflits entre communautés pour savoir qui a le droit de décider. Ça peut créer des conflits entre pays pour savoir qui vend, à qui va l'argent en cas de vente, qui a le droit de décider. C'est des questions assez compliquées. Sur les partages des bénéfices, 5% c'est effectivement déjà beaucoup par rapport à ce qui se fait dans les contrats de partage des bénéfices. Et puis effectivement c'est là le problème, c'est que quand on discute souvent avec les gens dans les communautés ou comme ça, eux ils s'attendent plutôt à recevoir 50% des bénéfices, mais en réalité 5% c'est déjà beaucoup par rapport aux contrats. Souvent c'est des contrats où ils donnent, l'entreprise pharmaceutique donne un premier petit montant pour avoir le droit de collecter des plantes sur le territoire des peuples indigènes. Et ensuite, dans le contrat, c'est écrit s'il y a un médicament qui est développé et un brevet qui est déposé, alors à ce moment-là, on vous donnera 2% des royalties. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup, en tout cas à ma connaissance, de cas réussis
où vraiment à partir d'une plante, il y a eu un médicament breveté et puis les millions qui sont arrivés dans les peuples indigènes, parce que c'est des processus extrêmement compliqués pour développer des médicaments. Et puis surtout, c'est à mon avis très difficile de contrôler. Comment vous pouvez contrôler ce qui se passe avec le gène extrait de votre plante une fois qu'il a été extrait? C'est très difficile à contrôler. On aura peut-être un laboratoire qui va vous dire « bon, ça n'a rien donné ». Mais après, ce gène, il est où? Il est dans des banques de gènes dans les pays du Nord. Et puis 15 ans après, il y a un autre scientifique qui fait une recherche là-dessus, qui le combine avec un autre gène, qui insère une molécule, et puis il sort un médicament. Et comment est-ce que vous pouvez contrôler comment est-ce que vous pouvez assurer le suivi? Et puis à ce moment-là, revenir 20 ans plus tard pour dire « oui, à propos, ce médicament, le gène, en fait, c'était à l'origine, il venait de... » C'est très très compliqué. En tout cas, il y a très peu de success story entre guillemets, où il y a beaucoup d'argent qui sont allés vers les peuples indigènes. Et dans le livre, il y a plusieurs cas qui sont présentés, entre autres un cas assez intéressant au Pérou, où justement ça a créé énormément de problèmes, parce que pour vendre le contrat, si vous voulez, pour inciter les peuples indigènes à entrer en contrat avec la multinationale, on leur a promis qu'ils allaient recevoir des millions, qu'ils allaient devenir millionnaires, etc. Au final, l'argent, il n'est jamais arrivé, et ça a créé énormément de conflits internes dans les communautés. La réalité, c'est qu'en fait, c'est pas le même, c'est pas, je sais pas, moi, en Bolivie par exemple, je sais que pour les exploitations de champs de pétrole ou de gaz, il y a des peuples indigènes qui ont réussi à négocier des bons dédommagements, hein, ou pour le passage d'un gazoduc, on peut négocier effectivement des assez importantes sommes d'argent. Mais la réalité, c'est que la prospection de la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué, parce que justement ces ressources sont aussi ailleurs. Donc si on pose des conditions trop élevées, l'entreprise peut simplement aller voir à côté ou ailleurs, ou se servir librement aussi sur Internet, etc. Oui, moi j'aurais. Juste pour finir sur l'histoire du vaccin, bah c'est justement assez, on est au cœur de la discussion. Là, c'est une plante qui vient du Vietnam, et en même temps, le vaccin serait développé dans un pays en Nouvelle-Zélande, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on a un peu les deux modèles. Le modèle de la CBD, c'est de dire, alors ce vaccin sera breveté pour permettre aux pays, donc aux industries du Nord, de recouper leurs investissements. On leur permet de développer un brevet, et puis de vendre ce vaccin sous brevet. Et en échange, on redistribue au Vietnam des royalties de l'ordre de 5% ou 6%. L'autre modèle, un peu alternatif, open source, c'est de dire au Vietnam, vous n'allez pas toucher de royalties, mais par contre, vous allez avoir accès au vaccin gratuitement. C'est-à-dire que ce vaccin ne va pas être breveté, va être disponible pour tout le monde. Donc c'est vraiment deux modèles différents qui ont chacun leurs avantages. Oui, je voulais juste rajouter une petite remarque par rapport à la Convention sur la biodiversité. La Convention sur la biodiversité stipule que la propriété du pays dans lequel se trouve cette ressource génétique. C'est-à-dire, par exemple, les grandes collections dans les musées, dans les grands jardins botaniques en Angleterre, en France, aux États-Unis, etc., qui étaient déjà dans ces jardins avant la signature de la Convention sur la biodiversité, qui ont été déjà collectionnés au XIXe siècle, sont donc, selon la Convention de la biodiversité, propriété de l'Angleterre, des États-Unis, etc., bien que initialement ils venaient du monde entier. Et donc souvent, c'est ce qui se passe, c'est que ces pays, ces grands pays ont ces collections, mais ils ne savent pas à quoi ça sert, ces plantes qu'ils ont là. Donc, ce qui se passe parfois, c'est qu'ils cherchent auprès des populations indigènes l'usage qui a été fait de ces variétés. Et ensuite, ils posent le brevet à partir de la ressource génétique qui est déjà dans leur jardin botanique. Donc, ça, c'est encore un cas intermédiaire, donc ce n'est plus la piraterie biologique,
mais c'est une espèce d'appropriation du savoir qui se fait complètement en catimini, parce que au moment, selon les pratiques même du bureau des brevets en Europe maintenant, du moment que les chercheurs peuvent dire à quoi sert le gène qu'ils ont isolé, ils peuvent effectivement poser un brevet. Même si l'idée que cette plante pourrait avoir telle ou telle propriété vient d'un membre d'un peuple autochtone de Bolivie. Bien, sur les questions par rapport à la situation en France, dans la politique agricole en France, et le code rural est une expression de la situation en politique agricole. Je n'ai pas voulu trop m'étendre sur les bagarres qui ont lieu les dernières années, mais ces bagarres sur les conflits que les éleveurs ont eus, par exemple sur des réglementations qui jugeaient inappropriées ou absolument contraires à ce qu'ils voyaient comme positif dans l'élevage, ce sont des bagarres qui se sont trouvées tout de suite en conflit avec ce qu'on pourrait appeler en France la nomenclature agricole, qui est, on a en France un syndicat agricole qui co-gère la politique agricole depuis 60 ans, qui est issu d'organisations de la période détestable de l'État français pendant la période d'occupation, et qui est toujours et qui a été coopté dans l'établissement des règles de gestion de l'agriculture, du code juridique de l'agriculture qui s'appelle le code rural. Bon, on nous a dit qu'il a été modernisé récemment, mais la manière dont il a été modernisé, c'est effectivement en concertation avec ses lobbies agricoles très puissants, et c'est très souvent dans des sens qui ne vont pas du tout en faveur de simplifier la vie des producteurs et de faire avancer les choses quoi, au niveau agricole. Ça nous ramène, ça fait que amplifier les carcans juridiques, administratifs, etc. Et il y a très peu d'évolution positive sur ce plan-là. Sur le tribunal paritaire des baux ruraux, ce serait un petit peu compliqué parce que ça n'a pas que des mauvais aspects dans une certaine mesure, parce que c'est le tribunal paritaire des baux ruraux. Il est là pour régler les conflits entre propriétaires et locataires. Et donc, tout dépend des rapports de force, quoi. Théoriquement, ce n'est pas forcément un mauvais outil de règlement des conflits, mais dans la pratique, effectivement, c'est très souvent entre les mains des gros paysans, qu'ils soient fermiers ou qu'ils soient propriétaires. Ça dépend des contextes locaux, quoi. Mais en tout cas, il y a une mainmise générale sur tout ce qui se passe au niveau agricole, qui est très néfaste en France, parce qu'il y a il y a énormément de jeunes qui sont revenus à l'agriculture, qui ne viennent pas du milieu agricole, parce que tous les jeunes, comme dans tous les pays, beaucoup de jeunes issus du milieu rural sont partis dans d'autres professions et dans d'autres sphères. Mais par contre, la relève au niveau agricole en France, elle vient beaucoup de milieux évidemment citadins, de jeunes qui ont de la famille de deux ou trois générations qui étaient agriculteurs et qui ont surtout envie de faire une autre agriculture et pas suivre ce modèle qui a l'air très moderne mais qui est sur une pente absolument, qui est complètement rétrograde en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations en fait en agriculture, mais elle est très dispersée en France et elle est piégée par cette nomenclature, par la présence de cette nomenclature très... Quand on a eu des réglementations sur les vaccinations, sur l'identification des animaux, sur la certification des mâles, la FNSEA est derrière à tous les coups parce qu'elle est à la tête de beaucoup de structures économiques para-agricoles. Elle est à la tête de la banque agricole, elle est à la tête de l'assurance, elle est à la tête de la SAFER. La SAFER, c'est l'organisme qui gère, qui supervise un peu la transmission des terres. Elle est partout, quoi. Et elle est surtout à la tête aussi des grandes coopératives
qui sont dans la grosse machine commerciale en aval de l'agriculture, l'agroalimentaire, etc. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà. Et la FNSEA est bien née du régime de Vichy. Oui, oui, c'est ce que je disais. Oui. Bon, moi, je vais peut-être intervenir sur trois questions très, très rapidement. La première, pourquoi il n'y a pas un autre modèle, une alternative à la propriété intellectuelle sur les semences? En effet, il y a un projet de traité pour un commons, pour un commun génétique qui a été présenté au Forum social mondial à Porto Alegre en 2003 déjà, et qui circule toujours un peu. L'idée de cette commons était de vraiment mettre les ressources génétiques en commun, et un peu comme l'idée de Kloppenburg dans ce livre, créer un commons où personne ne pouvait prendre quelque chose pour le privatiser. Donc, mettre à disposition, mais sous condition que ça ne soit pas privatisé. Et puis, il y a eu beaucoup de débats sur ce genre de traité. Et les réserves principales qu'on a émises contre cette idée même de traité venaient souvent aussi des groupes de peuples autochtones qui disaient, bon, avec la Convention sur la biodiversité, au moins on a un outil pour attraper un tout petit peu de ce qu'on nous a déjà volé. On a un potentiel de faire de l'argent. Si maintenant nous mettons tout en commun, de toute manière, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont de l'argent réussiront toujours à se l'approprier. Donc il y avait une réserve très forte des groupes autochtones par rapport à cette idée du traité. Bon, ça c'est... la deuxième question à laquelle je voulais réagir, c'était la remarque de dire qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour la biodiversité de la forêt. Ce que moi, en tant qu'anthropologue, ce que je trouve intéressant, il y a beaucoup de travaux d'anthropologues là-dessus, c'est la relation entre la création de parcs naturels et de peuples autochtones ou pas autochtones, mais des gens qui vivent dans ces espaces déclarés parcs naturels. Et souvent, cette création de parcs naturels met une priorité quasi artificielle sur une biodiversité et ferme les yeux plus ou moins sur le rapport entre l'homme et l'environnement qui évolue et qui change. Dans ces parcs, souvent, on essaie de figer un certain modèle. Bon, vous pouvez rester dans ce parc si vous êtes les stewards, les jardiniers gardiens de ces réserves, mais vous ne devez pas brûler, vous ne devez pas planter des buissons de cacao, vous ne devez pas, bon, il y a tout un registre de choses qui n'ont pas le droit de faire, et pourtant on découvre au même temps de plus en plus qu'en fait ce qu'on appelle la biodiversité naturelle, et depuis des millénaires aussi, s'est créée avec l'intervention de l'homme, et que l'homme dans la forêt
à sélectionner, donner certaines préférences à certaines plantes. Il est partie prenante de cette biodiversité. Et à mon avis, si on parle de la biodiversité de la forêt, il faut regarder l'homme et la forêt comme, comme des systèmes vivants en transformation. Et seulement à ce moment-là, on peut arriver à une... À un... je vous crois, mais ce dont ont envie les peuples qui vivent dans la forêt, c'est aussi de motocyclettes, c'est aussi de télévision, c'est aussi de faire partie. Ouais. C'est ça le problème. Oui, donc, oui, justement. Et donc, ils ont envie de planter des buissons à cacao, par exemple. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et est-ce que c'est peut-être une forêt qui est légèrement différente que le modèle idéal quand les ONG qui sont les gardiens de ces forêts? Mais bon, voilà, ça évolue, ça change. Et bon, c'est autre chose s'ils y vont avec s'ils sont en train de couper tous les arbres, mais souvent c'est pas eux qui le font, c'est les grandes compagnies qui y vont et hop, coupent les arbres. Tous, et puis sur une surface beaucoup plus grande. Et puis le troisième point, invalidation de brevets parce qu'ils ne réalisent pas leurs promesses. Moi, je trouve effectivement, il faudrait aussi, et ça c'est vraiment un appel aussi aux juristes, regarder, faire un débat social sur l'utilité sociale du brevet et qu'on peut seulement avoir un brevet si son utilité sociale pour la société est prouvée quelque part et qu'il se justifie. Et donc, tous ces brevets dont j'ai parlé, ces milliers de brevets sur des traits génétique tout simplement découvert, même pas inventé, est vraiment un abus de, par rapport à l'idée initiale d'un brevet qui est un privilège sur un temps limité en échange de la diffusion de l'information sur comment faire comment utiliser cette invention et en échange d'une utilité sociale. Bon, brièvement, je veux réagir sur les trois mêmes questions, sur l'invalidation aussi par rapport au cas du perspective des pays du Sud. Ce qui est difficile, c'est que c'est extrêmement coûteux de faire invalider un brevet. Par exemple, le brevet sur la quinoa, sauf erreur. Ou non, c'était sur l'ayahuasca, justement, aux États-Unis, sauf erreur, c'était sur la graine de maïs, l'Enola du Mexique, là, qui a été brevetée par un chercheur américain. C'est un haricot. Le haricot jaune. Ils ont réussi à le faire annuler, mais je crois au bout de 10 ans de procédure, ça a coûté à peu près $1 million. Et pendant ces 10 ans, le brevet il est resté valide. Donc c'est extrêmement difficile de faire invalider des brevets. Après, sur l'idée de propriété intellectuelle collective, est-ce que ça peut être utile ou pas? Ça va dépendre complètement dans quel sens on donne à cette idée. Ça peut être un vrai piège, dans le sens où si effectivement on doit rétribuer chaque personne qui à un moment ou à un autre a contribué à créer un savoir, et puis on entre dans une société où tout est propriété intellectuelle de A à Z, etc., c'est une société qui va être extrêmement compliquée, quoi, et c'est peut-être pas souhaitable. Après, il y a aussi des potentiels conflits dont j'avais parlé entre plusieurs peuples. Quel va être le sens que va prendre ce régime de propriété intellectuelle collective? Est-ce qu'on va devoir justement acheter ces savoirs? Ou est-ce que ce sera un régime où tous ces savoirs effectivement sont librement accessibles tant qu'on contribue les développements à nouveau à ce commun, quoi. Ça dépend vraiment tout du potentiel qu'on donne à ce système-là. Après, moi, je trouve effectivement que c'est la propriété intellectuelle, par définition, c'est basé sur l'idée d'exclusion et d'exclusivité. C'est-à-dire qu'on va donner à un peuple indigène le monopole sur un certain savoir. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez dangereux là-dedans à la base, que peut-être qu'une idée qui est effectivement plus subversive et plus intéressante, c'est l'idée au contraire de justement du partage. Et puis que peut-être que par rapport à la philosophie des peuples indigènes, ça correspond plus
à leur idée originale d'implanter justement des régimes de type commun. Alors effectivement, il y a plein de débats, etc. Mais effectivement, c'est peut-être plus intéressant. Et puis sur les modèles d'innovation alternatifs, il y a quand même pas oublier qu'il y a eu de l'innovation tout ce temps sans brevet, quoi. Que l'industrie pharmaceutique suisse, elle s'est développée sans système de brevet. Dans le livre, Jack Lepemour montre très bien, par exemple, qu'aux États-Unis, les semences, au début, c'était l'État qui les développait à travers des centres de recherche universitaires, et puis que les variétés, les graines qui étaient développées, il les donnait aux paysans gratuitement, puis que les paysans étaient libres de les combiner, de les développer, de les échanger. Et puis, au bout d'un moment, il y a un système privé qui s'est introduit, où le secteur privé a introduit des brevets, et puis a pris le contrôle de cette innovation, puis maintenant, les graines, bah, c'est eux qui font la recherche. Et puis, effectivement, les graines, ils les donnent, mais ils les vendent, et puis elles sont brevetées, donc on doit les racheter chaque année. Donc il y a quand même d'autres modèles d'innovation, entre autres avec une place pour le secteur public qui pourrait être complètement alternative, mais aussi le secteur privé. L'innovation, ça marche sans brevet aussi. Quoi. Les brevets, ça rajoute. Et puis, il y a d'autres modèles, par exemple en médecine, l'idée des prix. C'est-à-dire, par exemple, pour des maladies rares, au lieu de donner des brevets, on dit tout d'un coup, voilà, à celui qui trouve un remède contre telle maladie, on donne 10 millions de dollars. Et puis ça, c'est collecté par des fonds publics ou des ONG ou des fondations. Puis ensuite, le médicament est donné librement accessible à tout le monde. Donc il y a quand même d'autres alternatives que l'exclusivité des brevets. Merci beaucoup, Laurent.